A M B R O S E Ambrose. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Le jour où j'ai failli mourir, le ciel était d'un bleu vif et lumineux, ce qui nous changeait agréablement de la pluie si fréquente ici à Vancouver. J'étais installée à une table de pique-nique dans la cour du collège en train de déjeuner. Comme on était déjà mi-octobre, il faisait un peu frisquet pour manger dans plein air, mais je préférais encore cela au réfectoire qui était bruyant, bondé, voire dangereux pour ma santé si un élève me faisait un crochet. Parfois, on ne se sent plus seul au milieu de la foule que quand on n'a personne autour de soi. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai mordu dans mon sandwich. En fin de compte, je ne suis pas mort. En revanche, j'ai eu ce que le médecin a appelé une expérience de mort imminente, ce qui paraît plutôt excitant. Lorsque j'ai repris mes esprits, je me trouvais dans un lit d'hôpital. Ma mère était assise à mon chevet. Bonjour madame, docteur Lafayette. Ne vous inquiétez pas, votre enfant est sous cortisone, il ne va pas mourir. C. O. S M O Cosmo. Oh mon pote, tu fais quoi ici? Oh ça va? Mais qu'est-ce que t'as là? Pourquoi? Oh mais qu'est-ce que t'as, je te dis? Ah. M A N D A Amanda. Ambrose, Amanda, Cosmo. Trois vies, trois histoires. Tous les séparés. Mais la vie est parfois pleine de surprises. Par hasard, ils se découvrent une passion commune. Le Scrabble. Mais ce n'est pas tout. Amanda, je t'aime. 1, 2, 1, 2, 3.